Bonjour tout le monde, mon nom c'est Charles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment pouvoir faire un feeble backside 180 yards sur un petit flat rail. Tout d'abord, ça va être ça, il faut commencer par savoir faire un backside feeble. Et qu'on va commencer avec ce trick-là. Tout d'abord, pour faire un feeble, il faut se placer parallèle par rapport au rail. Et ensuite, popper un peu comme faire un board slide, mais en poussant le truck bien sûr un peu plus loin pour pouvoir se locker de cette façon-là sur le rail. Ensuite, quand vous êtes capable de vous locker sur le rail, il faut aussi savoir comment bien balancer son poids. Parce que si vous êtes trop par en avant, vous allez arrêter de slider et ça va s'arrêter là. Fait qu'il faut savoir aussi comment placer bien son poids par en arrière en descendant le nose un peu pour que ça puisse grinder bien jusqu'au bout. Donc, une fois que ça c'est fini, dans le fond, le feeble backside out, c'est juste une autre motion. Il faut juste savoir comment bien tourner la tête et les épaules. Donc, c'est rendu ici, quand on a piné le feeble, c'est rendu vers environ à un pied de la fin, deux pieds. Il faut commencer à tourner la tête et les épaules vers, dans le fond, le côté que tu veux le sortir. C'est un peu la même chose pour le front side, sauf que là, on le fait en backside. Donc, on tourne la tête vers l'arrière. Et là, on monte le pied par-dessus. Et bien sûr, on fait suivre le reste. Et on roule jusqu'à la fin en fliqué. Bon, ben maintenant que vous êtes capable de faire ce trick-là, ben vous pouvez vous essayer sur d'autres trails un peu plus haut. Puis maintenant, je peux vous laisser là-dessus. Vous souhaitez bon skate. On se voit un peu plus tard dans le fort pour un autre trick tips qui va vous être expliqué par Renaud Saint-Pierre, un autre skateur d'Alternative Sport. À la prochaine!